Bangkok. On a 6 heures de route qui nous attendent. Direction, je vais vous le dire plus tard où est-ce qu'on va. Là, on va rejoindre notre driver qui ne devrait pas tarder. Ok, voilà, je vous partage notre van. On a 5h30 pour arriver. On s'est arrêté ici aux toilettes. On va prendre des petites choses à grignoter et c'est parti pour 5 heures de route direction Koh Chang. Alors, il fait 21 degrés. Il fait 21 degrés et Haroun, il a froid. Il me dit, maman, pourquoi il fait si froid? Bah oui, on n'a pas l'habitude à Singapour. On est très souvent autour des 30, des fois même beaucoup plus. I want to stay here for 1 hour. Oui. For all the day. C'est bien, oui, le vent. Hein? Oh, bien. Donc Mu Koh Chang, c'est un archipel d'une cinquantaine d'îles. On est sur la plus grande des îles qui s'appelle Koh Chang. Pour la petite histoire, Koh Chang, on l'appelle Koh Chang parce qu'elle a la forme du derrière d'un éléphant. Chang, ça veut dire éléphant. Donc on est ici pour 6 jours. On va découvrir l'île. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Il faut savoir que c'est la deuxième île, la plus grande après Phuket, mais avec beaucoup moins de touristes. On va passer 6 jours ici, on va louer une voiture et on va découvrir d'un côté la côte ouest. C'est la côte où il y a pas mal de plages et qui est très développée avec des restaurants, des magasins, des resorts. Et on a la côte est qui est pas du tout développée, où il y a vous avez la mangrove, il y a des plages, mais vraiment très peu de resorts, très peu de restaurants. Donc c'est parti, écoutez, on vous emmène avec nous, c'est parti pour découvrir l'île de Koh Chang. Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà, on s'est réveillé. Regardez où est-ce qu'on est. C'est magnifique, magnifique. Donc ça, c'est la petite villa qu'on a louée pour ces quelques jours. Voilà, qui est juste là. Il y a 4 chambres, sincèrement, on n'en utilise que 2. Il y a 5 salles de bain, on n'utilise qu'une seule. Voilà, mais c'est dans un super beau cadre. Regardez-moi ça. C'est magnifique, franchement magnifique. Il y a une toute petite piscine, l'eau est très froide. Donc franchement, on va pas l'utiliser. On va profiter des plages puisque l'île de Koh Chang, elle est surtout connue pour ses paysages magnifiques et ses plages. Donc là, on a loué une voiture. La voiture ne devrait pas tarder à arriver. Et on va explorer l'île. Donc c'est parti, on y va. Donc voilà, ça c'est la voiture qu'on a louée. Heureusement que je suis montée parce que du coup, quelqu'un a laissé la lumière allumée. Voilà, ça c'est la salle de bain qu'on utilise. Hop, on a ici une chambre. Hop, et alors on utilise cette deuxième qui est ici. Voilà, c'est franchement largement suffisant. Il y a aussi un toilette à l'intérieur des chambres. Voilà, on a parfait le lit. C'est pas grave, c'est les vacances. Et on a 2 autres chambres qu'on ne va pas utiliser parce qu'elles ne sont pas nécessaires en fait. Voilà. Ils sont en train de nettoyer la piscine. Donc en gros, on est, comme je vous disais, à Koh Chang. Je vais en profiter. Profiter de rares moments de calme pour vous faire un petit topo. Donc en gros, Koh Chang. Je ne sais pas comment on est tombé sur cette île. Je cherchais une île en Thaïlande. Je crois que c'est la troisième fois qu'on vient en Thaïlande. On a fait Phuket, etc. Quelques îles, Koh Phi Phi et tout. Et on voulait en fait un endroit différent. On voulait la mer, un endroit pas trop loin de Singapour, pas trop de décalage horaire, voilà. Et en cherchant, je suis tombée sur cette île qui s'appelle Koh Chang. Donc c'est une île qui est accessible depuis Bangkok. Vous pouvez arriver... par d'autres villes ou par d'autres endroits, mais donc quand vous arrivez à Bangkok, vous avez 6 heures de route. Vous pouvez prendre l'avion, mais franchement ça prendrait beaucoup plus de temps puisqu'il y a un petit aéroport. Donc en général les gens prennent un taxi privé, c'est ce qu'on a fait. Donc vous avez environ 5h30, 6 heures de route, y compris la traversée en ferry, puisqu'il y a un ferry qui vous ramène sur l'île. Donc voilà, en gros hier on est parti de l'aéroport, je crois, on est arrivé, il était environ 9h du matin.
Et on est arrivé ici, il était 16h. Donc voilà. Donc Koh Chang. Le truc qui est cool en fait dans cette île, c'est que l'île de Koh Chang, il n'y a qu'une seule route. C'est une route qui vraiment qui fait le tour de l'île. Du coup, ben, c'est facile de conduire. Ce qu'il faut savoir, c'est que du nord au sud, vous avez environ, je ne sais pas combien de kilomètres, mais vous avez 45 minutes, 1 heure grand maximum. Des fois, vous pouvez rentrer dans les terres pour notamment visiter quelques cascades. Sinon, c'est vraiment le long de la côte. Donc, on va découvrir ça. En ce matin, on va se rendre du côté de la White Sand Beach, qui est l'une des plages. C'est la plage la plus populaire ici. On va aller à la Pearl Beach, à la Chai Chet Beach, à la Klong Prao Beach. Et je pense qu'on va se rendre tout en bas à Bang Bao, puisqu'à Bang Bao, c'est un port avec un petit village. Et une fois sur place, vous pouvez visiter, mais surtout, les gens vont là-bas pour organiser une sortie en mer. Vous avez énormément d'agences, vous pouvez louer un bateau pour vous tout seul, vous pouvez rejoindre un groupe. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah écoutez, c'est parti pour la découverte de Koh Chang, en sachant que ça sera énormément de plages, puisque franchement, il n'y a que ça, énormément de plages. On y va! Alors on a trouvé ce café qui s'appelle Fic Café. Alors il n'y a pas grand chose au menu, mais bon café. Vous avez du bon café. On a pris aussi des pancakes et ça ici, les pan fried egg. C'est vraiment sympa. Regardez. Voilà, vous êtes assis par terre comme ça, sur des tables basses. Village de pêcheurs et un port. On y est presque. Voilà, on est arrivé au Bang Bao Village. C'est un village de pêcheurs et on va se promener ici. Et vous avez donc toutes les maisons qui sont construites comme ça sur pilotis. Donc cette zone, elle est, c'est une zone piétonne. Vous avez plein de magasins. Hein. Et tout au bout, vous avez accès au port. Thank you.
côté, vous avez ici ce qu'ils appellent le Kay Bay Viewpoint. Et là, en fait, vous avez donc l'île en face qui s'appelle Komanai, la plus petite là, qui est la Komanok. Vous avez la Kopli et la Koyuak. On va remonter un peu plus haut là-bas pour on va se rapprocher. Il est 8h du matin. On est dans un van. Aujourd'hui, on va faire une matinée snorkeling. On est à Bang Bao. On est revenu exactement au même endroit qu'hier, puisque le départ pour les îles se fait d'ici. On va passer une matinée. En gros, vous avez vous pouvez choisir différentes formules et différents endroits. On a choisi l'option snorkeling. Donc, c'est un endroit où il y a pas mal de poissons à voir. Et donc, vous payez un droit d'entrée pour l'accès au parc national. Et on va faire, on va visiter trois îles. On va faire les trois îles ici. Donc on a payé 1000 par personne et 500 pour les enfants, moitié prix pour les enfants. Donc là on est ici, vous voyez, on est à Bang Bao, ici, au Fishing Village, et on va faire les trois îles que vous voyez ici, 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on va explorer la côte est de l'île. Donc, on a fait toute la côte ouest, qui est la côte la plus développée, avec pas mal de restaurants, de cafés pour le coup. La côte est, il n'y a rien, il n'y a franchement rien du tout. On a roulé je ne sais pas combien de kilomètres et on est tombé sur un café, un petit café qui est juste là, qui s'appelle Camon Bakes. Voilà, mais vraiment, il y a rien du tout autour, même au niveau des habitations, vous avez vraiment que quelques maisons, alors que le côté ouest c'est plein, c'est vraiment plein. On va se rendre du côté d'une cascade, on va aller jusqu'au bout, tout au bout il y a une plage, je ne sais plus le nom, je crois que c'est la Long Beach. On va aller du côté là-bas, il y a aussi la mangrove, vous pouvez faire un tour en bateau, et on a aussi un café qui est sympa, qui s'appelle le café. Il y a beaucoup de fourmis ? C'est pas grave, Harlem. Le café qui s'appelle Altitude, un café qui s'appelle Altitude, qui est un peu en altitude et depuis lequel on a une belle vue. Donc voilà, on va prendre le café et on va continuer notre route. Première waterfall, on est au Tan Mayom Waterfall. Vous avez un droit d'entrée de 200 bahts. 100 pour les enfants, je crois qu'il y a 15-20 minutes de marche. Il y a d'autres waterfalls, mais il faut se renseigner parce que certaines sont sèches. Donc il faut se renseigner pour savoir dans lesquelles vous pouvez vous baigner. Je ne pense pas qu'on va se baigner puisqu'on va à la plage tout à l'heure, mais on va se promener. C'est l'occasion de se promener dans une belle nature. On est dans la jungle.
bateau traditionnel. On y est presque, il nous reste un kilomètre. En fait, les points d'intérêt sont quand même assez proches les uns des autres. Et après ça, je crois qu'on va aller du côté de la Long Beach qui est un peu plus loin. Vous avez un village de pêcheurs. Et donc ça, c'est la mangrove. On va prendre un bateau et on va se promener ici, un bateau traditionnel. Vous voyez les maisons, elles sont comme ça construites sur, sur des pilotis en hauteur. Ok, on quitte la mangrove de Salak Coq et direction la Long Beach. On a 20 minutes, c'est à 20 minutes d'ici. Waterfall, donc c'est bien indiqué, et pas loin vous avez de jolies plages, donc on va s'arrêter d'abord au Waterfall et ensuite on va se rendre à la plage. Welcome to the... On est à la Klongkau Beach, on l'a finalement trouvé et franchement elle est magnifique, regardez-moi ça. Vous avez beaucoup plus de sable ici par rapport aux autres. Et, en fait c'est via un resort, vous avez accès via un resort. Le sable est super fin. Et regardez, c'est magnifique. Ok. Et on va y aller. Vous avez un petit musée à l'entrée. Donc en fait la Klongflu Waterfall, c'est la plus large, la plus grande waterfall qui est ici. Donc vous avez un petit musée. Vous avez un petit musée avec les animaux que vous pouvez trouver sur l'île, les différentes plantes, les coraux.
à l'arrivée, c'est là. C'était notre dernière matinée à Ko Chang, franchement magnifique. L'île est magnifique. Donc là c'est la plage, ce matin on est resté sur la plage de l'hôtel. Donc voilà, vraiment je vous recommande si vous cherchez un endroit où vous relaxez avec pas trop de monde, avec pas grand chose à faire à part profiter de la nature, profiter de la mer. Ko Chang, c'est vraiment une très belle île. On va prendre le petit déjeuner, on va prendre la route direction Bangkok. Donc on se retrouve dans un prochain vlog. Thank you much, bye bye. Et voilà, c'est parti direction Bangkok.